Et salut à tous! Eh, vous trouvez pas ça date le montage? Ouais, on sent toujours un petit écho, hein, d'ailleurs, dans mon décor, mais c'est parce que je n'ai pas de décor, justement. Un euro de décor plus. Mesdames et messieurs, vous aviez eu raison de cliquer sur cette vidéo parce que vous savez quoi? Il y aura rien de plus que dans toutes les autres vidéos, juste beaucoup plus de fun. Du coup, il y a quelque chose en plus, non? Tout ça pour dire, j'ai participé à Sky Defender 9. Et à défaut de briser des cœurs, j'ai défendu un château. Mesdames et messieurs, clap de début de saison, je suis défenseur, Sky Defender 9, c'est maintenant, intro! Eh, hey, vous me voyez là? Là, ici? Oh, Timothée, zoom un peu sur l'écran, là! Voilà, faites ce qu'il dit! C'est bon, on peut arrêter de gâcher l'intro, c'est parti! Ouais! Coucou, bienvenue à tous pour l'épisode de Sky Defender! Mesdames et messieurs, pour cette saison, je serai en équipe avec Rizofa, Epéfort, X-Rider et Nems. On sera 5 défenseurs contre tous les autres attaquants. Et pour la première fois, le mode UHC fait son apparition, d'où les 3 gapples de starter. Et décidément que de nouveautés. Parce que avec l'arrivée de l'ultra hardcore, l'arrivée de Bichard, il y a aussi l'arrivée des classes. Que ce soit pour les défenseurs ou pour les attaquants, il y a l'arrivée du slash class. C'est difficile à dire, slash class, slash class. Pour cette saison, on aura le choix entre 4 classes. La 6ème B, la 5ème A, la 3ème C et la 4ème D. Chaque classe a des bonus différents. Assassin tout à gauche nous donne speed 1 et 3 potions de poison. Barbare, lui, nous donne 2 slots de cœur en plus et un livre sharpness 4. Paladin avec le plastron en diamant quant à lui nous donne résistance 1 nerfé avec un livre protection 3, utilisable sur du diamant. Et enfin la dernière classe, certainement la plus sous-estimée, archer, no fall damage et un livre infinity avec power 3. Classe qui peut être très intéressant pour les attaquants. Vas-y, je vais prendre Paladin. Alors, en gros, je t'explique. On s'en bat un peu tous les couilles des explications de Nems, du coup, on va tout de suite aller se téléporter grâce au téléporteur qui se trouve dans le château pour descendre en bas plus facilement. Ce téléporteur est utilisable uniquement par les défenseurs, les attaquants ne peuvent pas le prendre. Comme ma meuf, les attaquants ne peuvent pas la prendre. Enfin, j'ai pas de meuf, j'ai... Bref, c'est pas tout. Viens, mais de toute façon, nos fakes, on les soulève, tu le sais qu'on va les soulever en plus. Là, il nous faut juste du cuir, mec. En vrai, tu rigoles, mais si t'as une team Guild, Shadoon et Magic, en vrai, je pense que... Ah non, mais ils sont pas dégueulasses en face, mais on va quand même les soulever, ces grosses merdes. Pardon, Nems, on doit avoir le meilleur, on doit avoir le non, meilleur team mecs, driver. Non, mais les mecs, casse-toi, il y a 3 putains de witch à côté. Nems, c'est vraiment j'ai masque, j'ai des vaches, j'ai que des... C'est que ça, des vaches. J'ai que des grosses vaches, je suis en train de les découper. Bah, tu m'étonnes, vraiment. Non, mais regardez-le, mais... Chose importante que j'ai oublié de vous préciser en début de record. Les premiers épisodes dureront pas longtemps parce que Nems dit beaucoup de merde qui sont pas vraiment acceptables au vu d'un record de qualité comme les miens, quoi. Parce que au vu de la qualité de mes vidéos et le youtubeur qualitatif que vous avez, genre, faut un record de qualité, bref. Mais aussi, vous avez pu remarquer qu'on est sur Discord durant les 3 premiers épisodes, ça permet justement d'avoir un épisode un peu fun. Au final, j'aurais préféré être seul. Mais voilà, sachez qu'à l'épisode 3, on sera de nouveau de retour sur Mumble. Et les gars, j'ai préparé un petit quiz pour les viewers, est-ce que ça vous dit de participer? Non. Ok. Non, ça ne nous intéresse pas. Bah du coup, je vais poser la question quand même et tu fais semblant de te boucher les oreilles. Vas-y. Ok, alors petit quiz et genre vous répondez dans les commentaires, comme ça fait du référencement et vive l'argent. Oh mon dieu, non, t'es mais vraiment faire ta promo là, enculé. Non, gros, alors écoute, je t'explique, toi tu vas rien dire parce que ça, toi aussi les gens vont répondre dans tes commentaires et tu vas être très content. Fais pas, tu vas être très content. Je vais balancer des blases et tu vas commencer à parler. Non. Tu voulais vraiment que je balance des blases. Non, de toute façon, je fais du montage, vas-y, je fais du montage, vas-y. Non, t'inquiète. Ok. Ouais, par contre, il y a un truc que tu vas pas monter si... Bref, allez. Ah, du coup, attends, la petite question très simple, hein, je vous le pose. Qui est l'interprète original de Y avait un château? Même pas ce que quoi tu parles. Sérieux? Ah non, t'as pas la rêve, t'es obligé d'avoir la rêve. Bah non, c'est quoi ce truc? Vous l'avez, les gars? Non. Mais si, c'est par rapport à Sky Defender, il y a un chanteur, il a fait Y avait un château. Ah putain. Bien sûr. Ok. Bah pourquoi tu donnes la réponse, espèce de connard? Mais j'avoue, pourquoi tu... Bah ça sera bipé. Ah yes. Et c'est... Je suis seul, c'est ma première fois ici? Non, moi aussi. Non, moi aussi. Non, j'étais sûr qu'il allait réagir. J'étais sûr, mais... bien, pour une fois que tu fais ta première fois, tu vois, c'est pas... C'est vraiment de bons moments. Team Tech devant moi, est-ce que je... Non. Pas grand chose d'intéressant pour ce premier épisode, hein, vous en doutez bien, je récupère quelques pommes et je décide rapidement d'aller m'enterrer. Il est vrai que la difficulté en tant que défenseur, c'est vraiment le stuff. Il faut récupérer le stuff le plus vite possible pour pouvoir aller rapidement défendre le château. Le mieux, ce serait que d'ici l'épisode 3, on soit déjà en position près du château pour atteindre les premiers attaquants. Il n'y a pas une nether cette saison? Non. Non. Bah, après, c'est pour enlever avec les classes, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais pour l'XP, ça va être assez, assez chaud. Ah non, quoique j'en ai 14 déjà de level. Mec, je t'invite vite un choix celle-là. Ah ouais, j'ai encore du diams. Oh, oh mais pour une fois. Ouais. Mais waouh. Non, mais fonce, hein. Clairement fonce. Hein. Là, de toute façon, nous, on n'a pas beaucoup de temps, je vais dire. Hein. Il y a déjà des, comment, des saisons où c'est les défenseurs qui ont gagné? Non, non, non. Sérieux? Et non, c'est jamais arrivé encore. Ouais. Bah, d'à côté, mais mec, écoutez, regarde, y a... C'est chaud, non, ouais, tu finis pas mourir en fait. Les gars, est-ce que il y aurait pas une première fois à tout? Bon, voilà, première erreur, l'interlocuteur à qui on a demandé si les défenseurs avaient déjà gagné dans une saison s'est trompé. Il nous a dit de la merde. Non, 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 les défenseurs ont gagné, même plusieurs fois. Mais du coup, ayant cette fausse information dans la tête durant tout le record, vous allez plusieurs fois m'entendre dire « Eh, c'est la première fois qu'on va gagner en tant que défenseur, c'est la fois où... » Bref, si ma voix est bizarre, c'est juste parce que je suis malade, hein. Le mec commence à prendre du diamant même en plus, on est bien d'accord, hein. Ouais, oui, moi j'en ai pas mais... De toute façon, je pense que personne passe à on côté a combien... du Attendez, les mecs, question, on a combien au niveau biblio et compagnie, là? Bah j'ai 21 books pour toi. Enfin, 21 cuir, pardon. Ou... Non, 21 cuir, pardon. 21 cuir. J'ai 17, je peux faire 17 bouquins si tu me donnes les... Eh ben écoute, mec, 17 bouquins, ça fait... Ouais, ça fait déjà pas mal de choses, hein. Bah, surtout qu'en fait, on peut faire... ouais, on peut faire du sale, là. Bah, il faut rapidement les monter et... 3. On peut se prendre le rang 2, comme ça on a directement protection 3. Je pense pas que le rang 3 ça sert à quelque chose, le rang 2 sera suffisant, je pense. Ça sera largement suffisant. Bon, dans 20 secondes, on va se laisser, mesdames et messieurs, pour la fin de cet épisode de 1. On respawn pas de façon aussi. Rendez-vous dans 2 jours pour l'épisode à 17h. Le 13 octobre. Bisous. Beat. Voilà un épisode court. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh ouais, il est où Gep là? Il est où, hein? Moi je te dis qu'un niveau épisode court. Hein. Non mais voilà, peu de choses à dire durant ce premier épisode. Voilà, c'est surtout un épisode de mise en place. Ne vous inquiétez pas, les longs métrages vont bientôt arriver. Mesdames et messieurs, rendez-vous dans 2 jours pour le nouvel épisode de Sky Defender le 13 octobre. Gros bisous sur vous, vive les défenseurs, vive Bichard, et vive le cour... Non, 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 non.